Alors, salut à tout le monde, salut à vous, chers amis, bienvenue sur votre chaîne Mister Fad TV. Moi, c'est Faden et très heureux de me présenter devant vous aujourd'hui, une fois de plus. Donc, depuis un moment, nous abordons essentiellement les sujets relatifs à l'immigration, à l'introduction, bien sûr, de notre direct. Ensuite, on peut prendre les questions que vous nous avez envoyées au préalable et celles que vous allez nous déposer pendant que nous sommes là en direct. Sinon, très bienvenue à vous. Une fois que vous êtes là, s'il vous plaît, rassurez-vous que vous êtes déjà abonné chez nous. N'oubliez pas de nous lâcher votre magnifique pouce bleu, de partager le lien de la vidéo et d'inviter vos connaissances, vos proches, afin de se joindre à nous pour, comme ça, essayer d'agrandir notre base. Donc aujourd'hui, je vais venir avec quelques questions qui m'ont été posées de manière répétée au cours de cette semaine. La première était celle en rapport avec l'âge des enfants que l'on déclare. OK? Alors, déjà, quand on prend part à la dévéloterie, nous avons ce qu'on appelle les candidats principaux. C'est celui qui participe et ensuite déclare ce qu'on appelle les dérivés dans la logique de la dévéloterie. Et parmi les dérivés, nous avons son partenaire de mariage et ses enfants dont l'âge varie entre 0 et 20 ans. Alors, la question qui m'a été comme ça posée par rapport à l'âge était celle relative aux enfants qui ont déjà 21 ans ou qui tendent à avoir 21 ans au moment de la participation. C'est une très bonne question. Je sais que beaucoup, ça prête à confusion, voilà, dans les chefs de plus d'une personne. Et c'est tout à fait logique parce qu'on dit que à partir de 0 à 21 ans, on peut être déclaré par ses parents. Mais cela n'exclut pas non plus le fait que le candidat lui-même, il peut aussi jouer à son tour, okay, comme principal. Vous voyez ça? Alors, lorsque tu t'approches à ton 21e anniversaire voilà, de naissance, ou carrément tu as 21 ans et bientôt tu vas fêter ton 22e anniversaire, tu peux toujours prendre part à la dévéloterie étant déclaré par tes parents. Et une fois que le résultat sera rendu public et que tu aurais été sélectionné, par rapport à la logique du traitement, on peut te considérer comme quelqu'un qui a 21 ans. Donc, on peut continuer la procédure et t'accorder comme ça les visas. On peut te faire une mesure de faveur parce qu'au moment de la participation, tu avais 21 ans. Mais seulement à partir du moment où on a publié les résultats et lorsque tu vas devoir passer pour ton interview, il ne doit pas se passer plus d'une année. Vous voyez? Mais alors, à défaut, en dehors de ça, comme je vous ai toujours dit, vous allez traiter avec des personnes, des humains. Peu importe le fait que les délais peut être dépassés. Le consul, okay, peut faire preuve de bon sens et comprendre et enfin de vous accorder le visa. Donc, c'est comme ça. Si tu as 21 ans ou tu tends vers ton 21e anniversaire d'âge, si vous êtes sélectionné lors de la publication au mois de mai, on peut comme ça vous accorder encore quelques temps, le temps que probablement vous ayez une possibilité d'interview et comme ça passer à l'étape suivante avec beaucoup plus de chance. Vous aurez peut-être votre visa en famille. OK, alors la deuxième question, c'était celle en rapport avec le mariage. Parce que, comme vous le savez, pour jouer en couple, il faut être marié légalement. Être marié légalement, ici aux États-Unis et même chez les Blancs, les mariages, c'est voilà, un consentement entre deux personnes. Voilà, on se convient, on se dit, ben, écoute, c'est comme si toi et moi, ça va marcher, et on se décide comme ça de se marier, et c'est tout. On va juste faire le petit cérémonial, se rendre à choses au niveau de la mairie, accompagner de ses témoins, peut-être quelques membres de la famille, et puis voilà, le maire va prononcer le mariage ou célébrer le mariage, et voilà, on est marié, c'est fini. Mais alors, chez nous, par exemple, par rapport à notre culture en Afrique, il n'y a plus d'un mariage. Il y a le mariage coutumier, il y a les mariages civils et ensuite il y a les mariages religieux. Voyez? Alors, il y a beaucoup qui sont coutumièrement mariés, mais qui ne sont pas civilement mariés. Or, quand vous vous mariez civilement, c'est là que le maire va officier, bien sûr, votre célébration. Il va présider la cérémonie de votre union. Et ensuite, on va vous remettre un document, il y aura des photos, il y aura tout ce qui va avec. Et c'est ce document-là que vous allez soumettre justement à l'ambassade le moment venu pour attester que vous avez déclaré cette personne-là parce que vous étiez en union de mariage. Alors,
Qui va faire, c'est lui qui ne s'est pas présenté au devant de l'officier consulaire. C'est lui qui s'est arrêté qu'au niveau du mariage coutumier. Alors, beaucoup s'est questionné à propos de ça, disant que, bon, voilà, peu importe le fait qu'on a fait le mariage coutumier, vu qu'on ne s'est pas légalement marié au niveau de la commune ou au niveau de la mairie, je ne peux pas jouer et déclarer ma femme comme étant ma femme légalement mariée. Ouais, alors que ce n'est pas ça. Tu peux toujours jouer, même si tu t'es marié coutumièrement. C'est possible, tu peux jouer, mais seulement lorsque tu vas aller pour présenter ton dossier au niveau du consulat, tu vas t'assurer justement d'aller au niveau de la commune ou même à la mairie même. On va te donner un document. Chez nous, au Congo, c'est l'équivalent du jugement supplétif à la naissance, mais cette fois-là, c'est serré, jugement supplétif à l'acte de mariage coutumier. Donc, on va te remettre un document qui atteste que vous vous êtes coutumièrement marié et vous avez fait savoir cela au niveau de la mairie. Donc, vous êtes enregistré comme étant coutumièrement marié. Alors, ces documents-là que vous allez obtenir après avoir fait les mariages coutumiers n'est valide que pour pratiquement 30 jours. Au-delà de 30 jours, il faut faire ces documents dont je venais de vous dire tantôt, vous rendre au niveau de la commune ou au niveau de la mairie, faire un jugement supplétif à l'acte des mariages coutumiers, et ensuite on va vous produire un certificat de mariage coutumier qui serait comme ça légalisé au niveau de la mairie, etc. Et c'est ces documents-là qui est comme ça accepté au niveau des consulats lorsque vous allez procéder à la demande de visa dans le cadre du regroupement familial. Et ces documents-là va attester justement que vous êtes légalement marié à votre partenaire de mariage. Okay? Donc voilà en gros ce que j'avais à dire à propos de ces deux petits points. À présent, nous allons parler de voilà, ce qui était prévu pour aujourd'hui. Ce qui était prévu pour aujourd'hui, c'est plutôt les critères d'éligibilité portant sur les niveaux d'éducation ou son équivalent. Quand on parle d'équivalent ici, on ne voit pas le BEP, BET, BT, je ne sais pas, il y a beaucoup de trucs. Ça, c'est, chez moi, ça ne marche pas comme ça. Chez moi, je suis dans un autre système éducatif et mon système éducatif, ce n'est pas le français. Et du coup, je vois beaucoup de gens qui m'envoient des messages pour me dire, écoutez, monsieur, je n'ai pas un bac, mais à la place du bac, j'ai un brevet. Est-ce que cela peut me permettre de prendre part à la développoterie et brandir cela comme étant un niveau d'études acceptable? Alors, il faut comprendre une chose. Quand on parle de niveau d'études, on parle de 12 années d'études. 12 années d'études, ça veut dire que tu as commencé au niveau primaire et puis secondaire. Quand on fait les cumuls de ces deux études, donc il y a 6 ans plus 6 ans, ça va faire un maximum de 12 ans. Alors, si tu as fait un diplôme professionnel ou tu n'as pas suivi les cursus normal, ça ne va pas compter. Donc, ce n'est pas parce qu'on parle d'équivalent qu'il s'agit d'un brevet, qu'il s'agit de je ne sais pas moi quoi. Non, l'équivalent dont il est ici question, c'est plutôt l'expérience professionnelle. Et aujourd'hui, je vais vous montrer pas à pas comment vous allez procéder pour justement évaluer si votre domaine professionnel vous qualifie à prendre part à la développerie à défaut d'avoir un bac. Donc voilà, retenez une chose, si tu n'as pas de bac, ton brevet ne va pas tenir. Si ton brevet n'est pris que 3 ans pour compléter ce programme-là et avoir en fin de compte le brevet, cela ne te permet pas au fait de prendre part à la développerie. Si tu as un autre diplôme ou tu as passé juste 5 ans, et je connais, il y a même de ceux qui, vu l'âge, quand il était encore plus jeune, il n'a pas eu le temps par défaut de moyens, par défaut de beaucoup de choses de la vie, justement, il n'a pas pu aller aux études. Mais il se forme en autodidacte au fil des temps. Il a besoin d'un diplôme qui pourra lui permettre peut-être de poursuivre avec l'université ou que sais-je encore. Il va aller passer le bac en autodidacte. Ça veut dire il a fait juste 1 année ou 2 ans d'études pour aller passer le bac et finalement, il a son bac. Ce bac-là n'est pas considéré. Donc, on considère le bac juste celui qui t'a permis de passer 12 ans d'études au niveau primaire et secondaire. Donc, voilà. Donc, ça, c'est clair. Okay? À ce niveau-là, c'est clair. Maintenant, pour l'équivalent du diplôme, il y a le site web que je vais partager tantôt, que les services d'immigration des États-Unis ont mis justement à notre disposition. Question de vous permettre, avant de prendre part à la développerie, de vérifier votre éligibilité du point de vue professionnel si vous pouvez prendre part à la développerie. Pour ce faire,
dans ces sites web-là, par rapport au département de l'emploi des États-Unis, on a fait une répartition des domaines professionnels à cinq niveaux. Okay? Il y a le premier niveau où on se dit que c'est le domaine professionnel qui ne nécessite pas beaucoup de dextérité, beaucoup d'études approfondies, etc. Il y a le deuxième niveau qui est relativement moyen. Et il y a le troisième niveau, le quatrième et le cinquième. Alors, au niveau du cinquième, c'est vraiment des études très approfondies. Et puis, voilà. Au niveau 4, c'est avancé. Et le 5, c'est beaucoup plus approfondi que ça. Alors, pour la développerie, on considère que le domaine professionnel de la zone 4 et 5. Comprenez par là, au niveau avancé et au niveau très avancé. Vous voyez? Je vais partager l'écran pour faire un peu beaucoup plus simple. Mais alors, en dehors de ça, votre domaine d'emploi, on accorde à ça un score. Alors, si ton score est inférieur au minimum requis ici, alors du coup, peu importe le fait que tu as une expérience professionnelle dans ces domaines-là, tu ne peux pas déclarer ton éligibilité que sur base de ces boulots-là, parce que ça ne répond pas aux critères. On a besoin de voir des gens qui ont une certaine dextérité, une certaine maîtrise dans ce qu'ils font. C'est vrai. On dit que dans les dernières 5 années, tu dois avoir travaillé au moins 2 ans de suite dans ces domaines-là. Bon, pas forcément 2 ans de suite, au moins 2 ans dans ces domaines-là. Ça veut dire que je peux avoir travaillé de 2019 à 2020, une année, je suis peut-être parti apprendre un autre métier, etc. Et puis je reviens en 2022 ou 2023, je poursuis encore avec le même boulot. On peut compter comme ça 2 ans d'expérience dans ces domaines-là au cours de 5 ans. Alors, dans ce cas-là, tu seras éligible. Alors, sans beaucoup plus tarder, je vais ici partager mon écran pour vous montrer comment vous pouvez justement vérifier votre éligibilité sur base de votre expérience professionnelle. Retenez une chose, je parlais de deux conditions qui caractérisent votre éligibilité s'il faut déclarer votre domaine ou votre expérience professionnelle. Nous avons d'un côté la zone de ton domaine professionnel qui va être comprise entre 4 et 5, parce qu'il y a 5 zones, comme je l'ai dit tantôt, conformément au site web, bien sûr, que le service d'immigration des États-Unis, par l'entremise, bien sûr, du département de l'emploi, ont mis à notre disposition. On considère que le boulot repris dans la zone 4 et 5. La zone 4, c'est où tu as eu à acquérir une certaine dextérité de manière très avancée. Si tu devais aller à l'école pour cette formation-là, ça nécessite vraiment beaucoup de pratiques, beaucoup d'études, etc., pour maîtriser cela. Et en dehors de ça, la zone 5, comme je le disais tantôt, c'est beaucoup plus approfondi que la zone 4. Nous allons voir ça ensemble avec vous. Je vais ici partager mon écran. Invitez les amis, dites-leur si vous n'avez pas de bac, Mr. Fred est en train de dire que vous pouvez être considéré si vous avez 2 ans d'expérience au moins au cours des 5 dernières années dans ces domaines-là. Donc, nous allons comme ça partager cet écran-ci pour vous montrer justement comment vous y prendre. Okay? Donnez-moi une petite minute. Je vais... Right. Voilà, nous sommes là. Donc, je vais commencer par partager cet écran-ci pour faire beaucoup plus simple, pour que vous puissiez comprendre d'où nous sommes venus et où allons-nous. Okay? Une fois que vous êtes là, chers amis, s'il vous plaît, donnez-moi vos likes. Partagez-moi ce lien, s'il vous plaît. Partagez-moi ce lien, s'il vous plaît. Et rassurez-vous que vous vous êtes déjà abonné. Est-ce que le son, il est bon? Partagez le lien, partagez le lien, partagez le lien. Attendez, je dois prendre un petit truc ici rapidement. Un jour comme un autre, elle est passée devant moi. Je ne sais pourquoi. Dis-moi, que m'as-tu fait? Suis comme ensorcelé, sentiments grandissants. Ok, nous voici. Nous voici, nous voilà, nous voilà. Ok, voilà, nous sommes là. Je vais maintenant
illustrer, je vais vous montrer comment vous allez procéder pour vérifier ou mesurer l'éligibilité, votre éligibilité à la DVLOTRI à défaut d'avoir un bac si vous devez déclarer votre domaine professionnel. Je devais faire cette vidéo il y a très longtemps, je promettais que j'allais le faire, mais bon, malheureusement, je n'avais pas trouvé du temps matériel pour ce faire, mais aujourd'hui, on va essayer de le faire en direct, comme très souvent d'ailleurs. Voilà, pour commencer, je me rends sur notre notice souvenir. Hein, c'est la notice d'instruction pour prendre part à la DVLOTRI, OK? Et comme je l'avais dit par rapport à notre vidéo précédente, donc le live, je ne sais pas, c'était le week-end passé ou au cours de la semaine, je ne sais même plus. Ben, du reste, c'est notre dernier live. On avait parlé de deux conditions. OK, incontournable pour prendre part à la DVLOTRI, deux conditions d'éligibilité. Nous avons d'un côté la condition relative à votre pays de naissance. Donc, quand vous prenez part à la DVLOTRI, vous ne déclarez pas n'importe quelle nationalité. Parce qu'il y a des ceux qui ont plus d'une nationalité. Mais quelle nationalité allez-vous déclarer pour ne pas être rejeté au cas où vous aviez peut-être été sélectionné, par exemple. Voyez? Alors ici, on considère la nationalité à la naissance et non pas la nationalité acquise. Et même dans cette nationalité-là, si il s'est fait que votre pays n'est pas éligible, parce que chaque année, on publie la liste de pays voilà, qui ont été exclus ou bien qui sont exclus ou qui sont frappés d'inéligibilité à la DVLOTRI, etc. Alors, s'il s'est fait que votre pays est comme ça, votre pays de naissance est comme ça exclu, vous pouvez déclarer le pays de nationalité, soit de l'un de vos parents qui est étranger. Ou soit le pays de nationalité de votre partenaire de mariage, si ça reste encore éligible, son pays-là, si ça reste encore éligible. On avait parlé de tout ça. Si vous avez besoin de détails sur ces, je vais comme ça vous recommander de faire un tour sur notre vidéo précédente, notre live précédent. Et là, vous allez avoir beaucoup plus d'informations sur ça. On avait parlé de ça vraiment en profondeur. Ça pourra beaucoup vous aider. En dehors de ça, on avait également parlé de membres des familles qu'il faut déclarer, etc. Okay? Mais alors, à côté de la nationalité, la deuxième condition d'éligibilité, c'est plutôt le niveau d'études. Comme vous pouvez le voir ici, je vais mettre ça en surbrillance. C'est le niveau d'études, voilà, le niveau d'études ou son équivalent. Dans l'équivalent du niveau d'études, ce n'est pas le brevet, ce n'est pas un brevet ou un diplôme professionnel, mais c'est plutôt le nombre d'années d'expérience que vous avez compté au cours des 5 dernières années avant de prendre part à la DVLOTRI. Et ce n'est pas dans n'importe quel domaine. Okay? Il y a beaucoup de domaines, il y a de ceux qui peuvent vous qualifier, il y en a autant de ceux qui ne peuvent pas vous qualifier et prendre part à la DVLOTRI sans avoir votre bac. Alors, comment nous allons faire? Nous allons justement cliquer sur le site web. Voilà le site web qui va nous permettre de définir si notre le boulot que nous faisons nous qualifie à prendre part à la DVLOTRI. Okay? C'est le Honnête Online. Je vais cliquer dessus et du coup, ça va. Voilà, ma page est là. Je vais retourner ici pour voir ce qui s'affiche. Donc, je dois encore partager un nouvel écran. Donc, je vais fermer cet écran-là pour relancer un nouvel écran. Attendez. Je vais faire un partage d'écran. Right. Je vais prendre. Il est où l'écran que je vais partager? Je crois. C'est celui-ci. Mais le site web, il doit être différent. Ou soit tu dois sortir. Voilà. Pour faire beaucoup plus simple. Voilà. OK. D'accord. C'est fait. Voilà. Je crois que vous êtes en mesure de voir mon écran. Donc, je vais l'agrandir. Je vais l'agrandir pour faire un plein écran. OK, je crois que tout le monde peut voir ça. OK, voilà, tout est clair, je crois. Voilà, c'est ça les sites web en question. Dans ces sites web ici, vous voyez ici, il y a les menus, il y a aide, il y a cherche ton occupation, recherche avancée, la base des données ici. Et puis ici, ça vous donne d'autres références sur le site web, bien entendu. OK? Maintenant, comment vous allez procéder? Alors, vous allez
aller juste ici. Je ne sais même pas comment on fait pour. Attendez, je vais voir. Est-ce qu'il y a moyen que ce que je vais cliquer puisse être mis en surveillance? Il y a possibilité de faire quelque chose de comme ça? Je ne sais même pas. Ok. Entire screen. Which one I want to do this one? Mais j'ai besoin de faire voir mon comment on appelle ça le pointeur hein, où je clique que cela puisse vous indiquer où est-ce que j'ai cliqué. Mais je dois prendre beaucoup de temps en fait pour apprendre cette histoire de Will Stream ou whatever. Attends. Edit name remove source. No, I'm not removing that one. I just want it. Ok, c'est pas grave. Je crois que je vais faire. Je vais chaque fois assurer la partie que je vais vous montrer. Ok, pour faire beaucoup plus simple. Ok, d'accord. Alors nous sommes là. Nous, ce qui va nous intéresser sur cet écran, c'est le deuxième menu. Parce que vous voyez ici, ça c'est la barre des menus. Vous voyez? Il y a le menu. Il y a le menu Help, Aid, Find Occupations. Trouver votre occupation, recherche avancée, etc. Nous allons cliquer sur cette. Voilà. Vous voyez ça là? Cette partie. La deuxième colonne. Quand je clique. Et puis je ne clique pas n'importe où là. Je vais cliquer sur. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Le volume. Allô, frère? Allô, je suis en direct. Là, c'est les titres. Oh, ça peut être corrigé même plus tard, c'est pas grave. Oh, ok, good. All right, thank you, bro. Merci beaucoup. Alors, chers amis, je m'excuse. Ça, c'est Chris qui m'a appelé pour corriger quelque chose. Merci beaucoup, Chris. Alors, les amis, faites un maximum de partage. Attendez, je vais corriger ce qu'il vient de me faire comme remarque. Et puis, on va poursuivre, OK? Domaine 25, OK. OK. All right. C'est bon, mon cher ami. C'est fait. Merci pour ton correctif. Voilà. Alors, chers amis, on va retourner ici. OK. Nous avons cinq menus, comme je l'avais dit tantôt. Il y a Help, Aid, Find Occupations, Advanced Research, Own Data, Crossworks. Nous sommes intéressés à ça là, au milieu là, le deuxième point, la deuxième colonne, Find Occupations. Nous allons cliquer dessus. Une fois que nous avons cliqué dessus, ce qui va nous intéresser, comme je le disais tantôt, il y avait la famille, donc le domaine de travail, et puis il y a la zone de votre travail. Dans la zone, ici, sur ce site web, ici, nous avons cinq zones. Okay? Pour avoir plus de détails sur les zones, les différentes zones, je crois que ça, là, nous pouvons trouver les détails en nous rendant sur, comment on appelle les sites web de services d'immigration des États-Unis. C'est là qu'on donne les détails hein, sur les différentes zones, à quoi ça sert, qu'est-ce que ça représente, au fait, à quoi une zone est différente de l'autre, etc. Okay? Mais bon, nous allons, ce qui va nous préoccuper, nous avons le job family et le job zone. Je peux faire ma recherche sur base de la zone directement, autant que je peux faire la recherche sur base de mon domaine professionnel. Donc, je clique sur job family. Alors, ici, il y a cette fléchette-là. OK. Il y a cette fléchette-là. Je vais cliquer dessus. Ça me donne maintenant les différents domaines. OK. Si c'est dans le domaine des management, legal, ça c'est le truc de droit. OK. Healthcare, ça c'est le domaine médical, etc. Ici, ça c'est pour les infirmiers, ceux qui font. Les sciences infirmières ou bien qui sont assistants infirmiers au pays. À défaut d'avoir un bac, en fait, je vais voir. Essayons ça. Je clique sur ça là. Et puis, je pars sur Go.
Quand tu cliques sur Go, ça te donne une liste des différents domaines liés au service d'infirmier. OK? Alors, nous allons prendre, par exemple, je vais prendre qui ici? Voilà, un assistant anesthésiologue. Comment on l'appelle? Anesthésiologue, c'est ça? Voilà, tu prends ça, je clique dessus. Tu choisis ton domaine, tu cliques dessus. Et quand tu cliques dessus, tu vas commencer maintenant à défiler. Ici, on te donne les détails sur qu'est-ce que tu es censé faire. Ici, vous voyez, tasks. On vous donne un peu genre une sorte de, comment on appelle, job descriptions. Like, qu'est-ce que tu vas faire dans ces domaines-là, etc. Et ici, on te donne les skills liés à la numérisation, en fait, le numérique aujourd'hui. Qu'est-ce que tu dois savoir par rapport à ces domaines-là? Donc, par rapport à l'outil informatique, tu es censé utiliser Microsoft Excel, PowerPoint, whatever, tout ce que vous voyez là. Et d'autres, et tu dois aussi être en mesure de gérer tes messages électroniques, etc. Et quand tu descends ici, on te donne maintenant les activités que tu vas faire au quotidien, etc. On te donne tout ça là. C'est ce qui est fait par rapport à ces domaines. OK? Ici, on entre un peu plus en détail. Vous voyez, c'est 17. Et ça n'affiche que 5. S'il faut afficher le tout, tu cliques sur ça là, ça va déployer toute la liste. Et c'est la même chose encore ici. Tu peux voir le petit détail, etc. Mais nous allons descendre, nous allons continuer à défiler vers le bas. Et voilà, ce qui va nous intéresser ici, c'est notre job zone. Alors, quand tu regardes sur les titles, OK, le titre ici, on te dit job zone, c'est 5. Voyez, job zone, on me dit 5. Et pour la développeurie, il faut soit être compris entre la zone. Ton domaine doit être compris entre la zone 4 et 5, ou 5. OK? Voilà, 4 ou 5, et ça ne s'arrête pas là. Maintenant, du niveau du score qu'il faut avoir, le score minimum doit être 7 ou supérieur. Quand le score est de moins de 7, du coup, ton domaine d'emploi n'est pas qualifié pour te permettre de prendre part à la développerie. Alors, vous voyez ici, le domaine que je venais de prendre là, quelqu'un qui travaille, un anesthésiste, c'est ça? Voilà, un assistant anesthésiste, voilà les mots qu'il fallait. Son domaine-là, il est qualifié par rapport à la zone. Maintenant, nous allons descendre pour voir les scores. Vous voyez ici, les scores ici, on dit 8 ou plus. Alors, ce domaine ici, quelqu'un qui travaille comme anesthésiste au pays et qui n'a pas de bac, il a fait juste, à force d'être à côté de ce genre-là, il a été formé sur les champs. Il a peut-être un certificat professionnel quelque part et il a continué à travailler avec ces gens-là. Et il a comme ça accumulé 2 ans d'expérience dans ce domaine-là. Par rapport à ce que nous voyons ici, il peut prendre à la développerie même sans avoir un bac. Donc, on peut voir si tu es, toi aussi qui es là, si tu as une idée sur un domaine professionnel donné, tu peux me donner, je vais vérifier pour toi, pour te dire, pendant que nous sommes là, si ton domaine t'es qualifié. Alors, je vais retourner encore au tout début pour te montrer comment tu peux encore le faire autrement. OK? Comment tu peux le faire autrement? Tu rentres seulement ici sur la petite fléchette là, la fléchette qui est là à côté. Je vais maintenant chercher ça, non pas par rapport au domaine lui-même, mais par rapport aux différentes zones. Parce que souvenez-vous, comme je l'ai dit tantôt, pour la développerie, tu dois être soit ton domaine de travail doit être compris entre la zone 5 ou la zone 4. En dehors de ça, les scores de ton domaine de travail doivent être pas inférieurs à 7%. Ça doit être supérieur ou égal à 7, voilà, 7,00. Donc, c'est ça les scores, OK? Je vais retourner ici pour trouver ça maintenant sur base de ma zone de travail. Je clique sur Job Zone. Et quand je suis là, je clique sur cette petite fléchette-là. Vous voyez, il y a 5 zones comme je vous l'avais dit. La première zone, on dit « little or » No preparation needed. Donc, tu n'as pas besoin d'une formation quelconque pour faire ce travail-là. Ça, c'est pour le boulot compris dans la zone 1 ou la zone 1, voilà. Voilà, c'est ça. Alors, si nous venons à la zone 2, là, on dit, on a besoin de une petite formation, une toute petite formation, voilà. Maintenant, quand on vient au niveau de la zone 3, on a besoin d'une formation moyenne, donc voilà, une formation moyenne. Maintenant, au niveau de la zone 4, là, on parle de préparation considérable, donc avancée. Et quand on vient sur chose, au niveau de la zone 5, là, on voit extensive preparation needed. Ça veut dire là, ça doit être une préparation très avancée.
Alors, si je vais prendre directement, je vais chercher directement sur base des différentes zones. Je prends par exemple zone 4. Et puis, je pars sur Go. Et ici, je vais voir, nous avons les comptables et les auditeurs. Si je clique sur comptable et auditeur, je vais défiler vers le bas. Vous allez vous rendre compte que déjà, nous avons pris ça sur base de la zone. Du coup, vous voyez, zone, c'est déjà la zone 4, ça c'est bon. Et puis, vous allez voir ici les scores. Vous voyez les scores ici? C'est entre 7 et 8. Donc, le minimum, c'est 7. Et le maximum ici, c'est 8. Donc, ça te qualifie amplement. OK? Alors, si tu veux avoir une idée, OK, je vais vous montrer sur base de l'instruction, la notice d'instruction, pour voir où c'est spécifié. C'est comme ça que je vous avais demandé de prendre le temps d'aller consulter la notice pour vous permettre d'avoir une idée claire sur comment ça marche. OK? Pour vous épargner justement des petites erreurs qui pourraient vous disqualifier, vous dépenser de l'argent, vous dépenser de l'énergie, mais en fin de compte, votre candidature ne va pas être retenue du tout. Donc voilà, il faut prendre les précautions en amont. Alors, vous voyez ici, on parle de deux. Pour ceux qui lisent l'anglais, OK, on parle de ce que j'avais évoqué, 2 ans. OK, on parle de 2 ans d'expérience au cours des 5 dernières années, des 5 dernières années. Vous voyez, tous ces deux, non? Vous voyez ça? 2 ans d'expérience au cours des 5. Au cours des 5 dernières années. Voilà. Au cours des 5 dernières années. Vous voyez? 5 dernières années, donc voilà. Alors, pour ce qui est du score et la zone, je crois, on peut trouver ça quelque part ici. C'est pourquoi c'est très important de prendre connaissance de cette notice d'instruction. Elle regorge énormément d'informations utiles pour vous, pour vous épargner, et vous avez déjà une idée si à la base vous avez répondu à tous ces différents critères d'éligibilité, etc. Donc je vais partir là-bas. Voilà, c'est ici maintenant. Quelle occupation te permet ou te qualifie à prendre part à la développerie? Donc là, il faut partir là-bas et il faut considérer ça là, job zone, ce qu'on a fait. En dehors de job zone, il faut considérer également job family, quel domaine? Alors, en dehors de ça, il y a le range. Vous voyez, on dit le minimum, ça doit être un score de 7 ou supérieur ou plus. 7 ou plus, pas moins. Vous voyez, c'est comme ça que vous pouvez être qualifié pour prendre part à la développerie à défaut d'avoir une expérience, à défaut d'avoir plutôt un bac. Et comme ça, ici, on vous donne même les instructions comment vous allez procéder pour vérifier cela. Vous voyez ce que je venais de vous dire, vous partez sur le site web là, vous allez sur Find Occupations, right here. En dehors de ça, vous allez chercher Job Family. Et en dehors de ça, vous allez cliquer sur votre domaine de travail spécifique. Le point 4, le point 3, et en dehors de ça, vous allez vérifier votre job zone qui doit être, comme je l'avais indiqué, comprise entre 4 et 5 seulement. Et vous allez voir ça encore ici. On a encore parlé de ça ici. You will find the design, job zone, for, range, whatever. Donc, vous avez tous ces détails-là ici. Donc, le minimum, la zone de travail minimum, ça doit être 4. Et le score doit être compris entre 7 et 8. Donc, si le score est inférieur à 7, et que si le score, juste, voilà, si le score est juste inférieur à 7, du coup, vous êtes disqualifié, même si ça se trouve dans la zone 4 ou 5. Donc, il faut que ces deux critères puissent être respectés, que ce soit dans une zone 4 ou 5, et que le score puisse être minimum 7 ou plus. Alors, si tu te retrouves, le domaine de travail en question se retrouve dans la zone, supposons 5, et que ton score est inférieur à 7, alors du coup, là, tu y es disqualifié, tu ne peux pas considérer ton expérience professionnelle pour te permettre de prendre part à la développerie. Alors, laissez-moi retourner sur la page qui était partagée avant. Comme ça, on va faire une petite expérience. On va voir un autre boulot
qui peut être dans la zone 5 ou 4, mais qui ne te qualifie pas. Donc, nous allons voir. Je rentre ici, Find Occupation. Je viens sur Job Zone. Je viens chercher ici la zone 4. Je pars Go. Et ici, je vais prendre quel exemple? OK. Prenons même. Prenons ça. Attendez, ici, non, ça te qualifie, hein. Vous voyez, 7 à 8. Ça, c'est pour ceux qui enseignent, vous voyez, Adult Basic Education. Donc, voilà, les vieilles personnes, les grandes personnes qui n'ont pas eu la chance d'aller aux études, vous les encadrez. Donc, je ne sais pas comment le cours du soir ou quoi, mais bon, ici, c'est un peu différent. Ici, aux États-Unis, ce n'est pas genre vraiment cours du soir. C'est un programme à part entière qui est parfois certifiant aussi, etc. Et il y a des ceux qui enseignent l'anglais comme deuxième langue, ici aux États-Unis, mais il y a aussi des ceux qui enseignent peut-être le français au pays là-bas, ceux qui enseignent l'espagnol ou le portugais, il y a beaucoup d'écoles de langues ici. Ça aussi, ça peut être déclaré. On va t'accorder, bien sûr, ton visa si tu déclares juste ton domaine là. OK? Attendez, je vais voir un autre truc ici. J'avais vu quelque chose. Chorégraphe, voilà. Même les danseurs, ils sont aussi bien. Hein? Dans les chorégraphes, je vois, ils sont dans la Z, la zone 4. Et on va voir, voilà, leur score, c'est 7, 8. Ce qui est super. Ce qui est super. Laissez-moi retourner encore vers là, en arrière. Je vais maintenant aller chercher le boulot par rapport à la famille elle-même ou le domaine. Et puis, je vais cliquer sur Go. Il y avait quoi ici? On va prendre quoi ici? J'avais vu quelque chose comme de photographe, etc. J'avais vu photographe quelque part. J'avais vu photographe quelque part. OK, on va prendre, on va voir si on peut trouver des électriciens. Alors, si tu es électricien, ça se trouve dans la zone 4 et ça aussi, ça passe, mais tu dois être ingénieur. OK, parce que si tu es électricien, ça dépend. OK, c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde qui est ingénieur là-bas. Voilà. Donc, je vais retourner un peu au tout début pour prendre quel domaine ici. J'avais vu un truc sur la photographie. Les amis qui sont photographes, ça pouvait bien les aider. Laisse-moi prendre. La zone 1. Selon Baristas, c'est quoi? Je sais même pas. Amusement and recreation. Attendant. Cook. Fast food. Ce sont des cuisiniers. Door-to-door sales workers. Voilà, les vendeurs ambulants, ceux qui vont faire le porte-à-porte. Ceux qui travaillent dans du fast food comme caissier, etc. Ça ne compte pas. Si je vais prendre ça. Ok, je vais prendre ça. Je vais voir un peu son score. Il est à combien? Vous voyez, son score ici, il est en dessous des 4. Et la zone de travail se trouve là, au niveau 1. Donc ça ne te permet pas du tout. Ça ne te permet pas du tout. Donc voilà, je crois qu'on peut s'arrêter par ici. Du reste, vous avez déjà vu comment procéder. Ça pourra comme ça vous aider à vous exercer vous-même pour aller vérifier si votre domaine de travail vous permet de prendre part à la développerie à défaut d'avoir informaticien. Ça, c'est qui OK, je peux aller voir. Othniel Samuel Mvula, informaticien. Tu parles de quoi? L'informatique est tellement vaste. Tu devrais être beaucoup plus spécifique comme ça faciliterait les choses. Tu es dans le développement web. Tu es dans quoi, au fait? OK. On va prendre ça. Tu parles d'informatique, ok. On va aller voir IT.
IT Zawapi. Installation, maintenance and repair. Art, design and treatment support, building and ground cleaning, community computer and mathematical. All right, ça doit être là, l'informatique. Alors, quand tu viens ici, bioinformaticien, computer and information research scientist, network architect, computer occupation or other. Si tu es programmeur, par exemple, ok, je vais voir. Si tu es programmeur, on va descendre vers la zone. Du coup, c'est la zone 4. Et puis voilà, les scores ici, c'est 7 à 8 si tu es programmeur. Ça, c'est dans le domaine informatique. C'est pourquoi je t'ai demandé d'être beaucoup plus spécifique pour me faciliter. Si tu es système, ingénieur système ou ingénieur, whatever, architecte, que sais-je encore, si tu as fait la chose, comment on l'appelle, les data science, voilà, ou bien tu as fait database administration, ça peut être Oracle, tu as fait justement la gestion des bases de données. Je vais voir ça. Comme gestion des bases de données, on va descendre vers job zone, c'est 4 aussi, et puis les scores, c'est entre 7 et 8, ça te qualifie. Alors si tu es designer web, ok, on va voir. Digital, whatever, health, mathematics, information system engineer, information technology project manager, mathématicien, il y a beaucoup de trucs ici, hein. Software developers, voilà, on peut encore retourner là, software developers, 4, et puis 7 à 8, super, donc ça c'est bon, en tout cas tous les domaines relatifs à l'informatique en tout cas. C'est bon. Web designer, si tu es développeur web, donc les gens qui construisent des sites web, on va voir. Ça, c'est dans la zone 3. Vous voyez ça? Dans la zone 3. Et puis, on va aller voir le score. Son score à lui, là, c'est 6 à 7. Alors, du coup, ça ne te qualifie pas. OK? Si tu es juste développeur web, tout court. Ça ne te qualifie pas parce que ça se trouve dans la zone 3, alors qu'on a besoin de la zone minimum, zone 4, maximum, zone 5, et les scores doivent varier entre 7 et 8. Donc, 7 ou plus, pas moins de 7. OK? Alors, Web and Digital Enterprise, ça là, c'est ceux qui font les designs des interfaces, hein, comme par exemple l'habillage des sites web, l'habillage des programmes, parce que le programme en soi, quand vous utilisez un programme sur un ordinateur, c'est une suite de codes, des lignes de code. Alors, il y a des ceux qui travaillent maintenant dans la création visuelle de ce que vous voyez. Okay, que je vais aller cliquer sur tel bouton, je vais aller cliquer sur tel menu et tout ça là. Ça, c'est une autre paire de manches. Okay? Et c'est ces gens-ci, ceux qui travaillent dans le développement. Des interfaces qui les font, même pour les sites web. Il y a des ceux qui font les développements web seulement dans les codes de sites web, etc. Mais il y a d'autres qui travaillent dans l'habillage. Et il y a des ceux qui font les deux à la fois. Il fait le codage pour créer les sites web et il travaille aussi dans l'habillage du site web, dans la mise en forme et la présentation du site web. Ça là aussi, c'est ça, ça là, ça là, le domaine dont je suis en train de parler ici, ça t'aide à travailler dans l'interface, donc créer l'interface graphique, ce qui peut te permettre de communiquer avec l'ordinateur comme étant l'utilisateur final, pas comme étant un informaticien du domaine, parce que l'informaticien du domaine peut utiliser autre chose que toi, tu ne sais pas maîtriser. Et ça va l'aider à lui de créer le produit final que toi, tu consommes. Que tu vois la WhatsApp, etc. En réalité, WhatsApp, c'est une suite de codes. Il y a quelqu'un qui a travaillé maintenant dans l'habillage pour voir WhatsApp comme tu vois là. Et chaque fois il y a des mises à jour, il y a des statuts, maintenant tu peux créer même une chaîne sur WhatsApp. Ça, c'est le domaine de designers qui travaillent dans l'interface graphique pour vous permettre d'interagir avec l'application. Donc ça se trouve dans la zone 4. Et comme vous pouvez le voir, le score est de 7 à 8. OK? Voilà. Il y a beaucoup de domaines ici. Il y a les statisticiens. Il y a les mathématiciens, il y a un gros tas de trucs ici. OK? Alors, je crois on a fini avec cette présentation-là.
Nous allons peut-être vérifier pour vous le moment venu. Attendez, je peux partager le lien ici pour vous permettre, pour ceux qui n'ont pas accès à, comment on appelle, pour ceux qui n'ont pas accès à chose, la notice d'instruction. Je vais mettre ici le lien que vous pouvez suivre pour aller faire votre can't post message to some channels, no problem. Du reste, j'ai quand même partagé. Voilà, c'est un peu ça. Alors, ici, je vais commencer par prendre les questions qu'on a prises au cours de la semaine. Ensuite, on va revenir ici avec les questions que vous avez prévues pour nous ce soir. OK? Attendez, je vais aller voir s'il y a des questions ici. Merci bien. OK, oui. Salut les boss. Est-ce que je peux remplir? Voilà, ici je prends les questions qu'on a prises au cours de la semaine. Ensuite, on va revenir ici. OK? Si vous avez des petites questions sur, je sais pas, le check dans votre domaine, on va le faire. On va le faire tout de même. OK? Il y a Alassane Aïdara qui dit salut. Est-ce que je peux remplir mon DS260 avec un nouveau email car j'ai perdu l'accès à mon ancien email? Bien sûr, ça ne pose aucun problème. Tu peux changer d'email, mais seulement rassure-toi, il y a quelque part, quand tu remplis ces formulaires-là, on te demande si par le passé, tu as eu à utiliser une autre adresse email. Et c'est là que tu vas maintenant indiquer l'adresse email, voilà, dont tu ne sais plus, à laquelle tu ne sais plus avoir accès. OK? Il y a un autre frère qui dit salut, mes parents, je sais pas, qu'est-ce que vous voulez dire? Mettez fin d'antan et je vous remercie toujours pour votre effort. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. OK. On va quitter là-bas. On va venir chez qui? On va venir chez Omebu Kwevi qui dit bonsoir, Mr. Fad. Je vous suis depuis le Togo. J'aime bien vos décryptages et vous félicite du travail que vous faites. Merci beaucoup. Ça, c'est un compliment. Ça me fait un grand plaisir. Bat Duke qui dit salut. Mes parents, ok. Waouh, c'est compliqué ça. Bonjour, Mr. Va, pardon. Pour quelqu'un à qui on a déjà commencé. Waouh, ça c'est très compliqué encore. Bonjour, Mr. Fad, pardon. Pour quelqu'un à qui on a déjà commencé la procédure de visa permanent, qui prendra 3 à 5 ans, peut-il jouer à la développerie? Eh bien entendu, en fait, c'est deux catégories de visas différentes. J'ai déjà eu à parler de ça plus d'une fois d'ailleurs au cours de nos différents lives. La développerie, c'est une autre catégorie de visas. Si tu as un dossier en cours de traitement pour le regroupement familial ou même pour la visite des États-Unis, c'est autre chose. OK? Et tu peux toujours prendre part, tu peux toujours participer. Et puis, il y a tellement de gens qui participent chaque année, faudrait-il encore que tu sois sélectionné ensuite, tu vois? Donc, ça n'a rien à voir. C'est une opportunité que vous avez si tu as un dossier en cours de traitement. D'ailleurs, c'est un avantage pour toi parce que tu es déjà au courant. Tu sais que avant le 30, ou bien au plus tard le 30 septembre 2025, tu pourras déjà avoir ton visa au cas où tu allais être sélectionné comme gagnant de la développerie. Voyez, alors que pour le dossier de regroupement familial, tu te retrouves voilà, à attendre pratiquement jusqu'à 5 ans pour voir, pour espérer que ton dossier puisse être comme ça approuvé. Donc, ça peut prendre beaucoup plus de temps que ça n'en prendrait pour la développerie. Donc, tu peux tenter ta chance sans aucun remords. OK? Donc, bonne chance. Alors, ça c'est qui? Israël Loutoula. J'ai une question, je voudrais savoir une chose. Dites-moi, par exemple, je suis à l'étranger, moi je suis d'origine pays X, au niveau d'adresse, je vais mettre quelle adresse actuelle ou bien l'adresse du pays. On te demande ton adresse de résidence. Si où tu vis actuellement, c'est là ta résidence actuelle, évidemment, tu vas indiquer l'adresse d'où tu es. Mais tu vas aussi quelque part indiquer ton pays d'origine. Vous voyez? Alors, quand tu vas être sélectionné, on va encore te demander où tu veux aller passer ton interview. Donc ici, si tu restes ou tu es là-bas dans ces pays-là et que tu y restes depuis plus de 3 mois, ou je ne sais pas moi c'est quoi la raison qui t'a amené là-bas, évidemment tu vas déclarer cette adresse de là-bas comme étant ton adresse.
mais ça ne va pas être le même pays que tu vas déclarer comme ton pays de chargeabilité. OK? All right. Voilà, je suis en train de répondre à Israël Loutoula. Je suis chez Bibiche. Tu sais où? Je ne sais pas pourquoi. OK. That's good. Est-ce que le BT est éligible à la développerie? Voilà, ça c'est Jean-Paul Agna, c'est ça? Et vous voulez savoir si le BT était éligible à la développerie. Donc j'ai répondu à cette question-là au tout début de notre direct. Donc voilà, au cours de cette semaine, on n'a pas eu beaucoup de questions. Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas. Je crois les avoir brossées toutes. À présent, je vais prendre les quelques questions que nous avons ici et je pense qu'on pourra le faire dans pratiquement 20 minutes, hein, parce que j'estime qu'on pourra arrêter à 1h10 minutes des lives. Alors, pour ceux qui nous prennent en cours, rassurez-vous que vous avez liké cette vidéo et partagez le lien, s'il vous plaît. Okay? Je vais commencer avec qui? Avec Navarro, Kadnivi, Kassaganti, ça? OK. Il dit, bonsoir, messieurs, c'est depuis les Gabons que je vous suis et premier à suivre les directs. Merci beaucoup, c'est un honneur. C'est un honneur, frère. Suivant, c'est qui? Mustapha Sek. Bonsoir. Bonjour, Mr. Fad. Mon père a déposé. Il a déposé quoi, frère? Ok, il est là, Mustapha. Il dit, bonjour, Mr. Fad. Mon père a déposé nos dossiers pour un regroupement familial depuis juillet. Jusqu'à présent, il n'y a aucune nouvelle. Est-ce que c'est normal? C'est amplement normal. C'est très, très normal. Il y a des ceux qui ont fait les dépôts, puisque tu parles du dépôt, depuis pratiquement 1 année et demie et qui n'ont pas encore de suite. Donc, toi, tu viens à peine de démarrer la procédure. Donc, tu vas devoir t'armer des patience. Quand je parle de t'armer des patience, c'est vraiment t'armer des patience, quoi. Donc, voilà, il faut être patient. Et on va espérer que les choses iront un peu plus vite que ça aux jours à venir. Mais pour l'instant, je crois que c'est beaucoup plus tôt pour toi que de t'inquiéter sur l'évolution du dossier. Donc, essaie un peu d'oublier ça, fais autre chose. Et si il arrivait que l'on puisse vous contacter de sitôt, gloire à Dieu. Okay? Mais sinon, pour l'instant, tu peux passer à autre chose. Le plus important, c'est déjà soumis. Comme c'est déjà soumis, ça veut dire que c'est en cours de traitement. Donc, à tout moment, on peut vous revenir avec du nouveau par rapport à votre dossier. Steven Brel Mbolinani, salut mon cher, ça faisait tellement longtemps, frère. Tellement longtemps. Del Piro Azura, salut. Alassane Aldara, j'ai répondu à ta question, hein? J'ai répondu à ta question, mais bon, je vais prendre encore quelque chose ici. Salut le boss, j'ai perdu l'accès à mon ancien compte et que mon DS260 est déjà rempli avec un nouveau mail. Que pensez-vous? Oh, ça c'est différent. OK. Voilà. DS260. Tu n'as plus accès à ton adresse email. Mais tu peux récupérer le mot de passe. Tu peux récupérer les mots de passe. Je pense que tu peux récupérer les mots de passe. Le mot de passe peut être récupéré parce que tu auras la correspondance par email. Mais bon, après, ça dépend aussi. Ça dépend. Tu es les bénéficiaires, c'est quel type de visa? Si c'est les regroupements familiaux, tu as un pétitionnaire aux États-Unis ici, quand on voit une correspondance, le même message est envoyé aux deux parties, le bénéficiaire d'une part et le pétitionneur de l'autre part. Peu importe le fait que tu n'aies pas accès à ton adresse email, si tu as un frère, un partenaire de mariage, un parent aux États-Unis, un enfant aux États-Unis qui te déclare, alors le message qui te sera adressé, lui sera adressé à lui également. Donc, cette personne-là aux États-Unis pourra te faire savoir, ou bien pourra te tenir informé de l'évolution du dossier. Mais c'est très important pour toi que de chercher à pouvoir justement récupérer le mot de passe ou peut-être réinitialiser les mots de passe de cette adresse-là. Et puis, tu pourras comme ça être au courant de l'évolution de ton dossier de toi-même. Parce que je sais que ton pétitionnaire aux États-Unis peut être pris alors qu'il y a quelque chose qui venait d'arriver, vous donnant des informations sur l'évolution de votre dossier qui nécessite de prendre action aussitôt. Et lui, vu qu'il travaille, vu qu'ici les gens, ils sont tout le temps partis pour le travail et tout ça, et quand le message arrive, il n'est pas au courant de sitôt,
Il peut laisser passer quelques jours, quelques temps pour, en fin de compte, s'informer de ce qu'était, bien sûr, la notification de service d'immigration, etc. Alors que si toi aussi tu accèdes à ton adresse email, donc tu seras au courant en temps réel. Une fois que le message va arriver, toi tu seras au courant et tu es beaucoup plus motivé aussi hein, à ce que les choses puissent aller beaucoup plus vite que ça. Donc tu vas essayer un peu de pousser un peu là pour lui faire savoir, écoute, on a reçu un message, si tu peux aller voir, etc. Donc c'est un peu ça, mais il n'y a pas à s'inquiéter parce que. Si, comme je le disais tantôt, c'est dans le cadre du regroupement familial, ton pétitionnaire ici aux États-Unis sera informé de l'évolution et à son tour, il pourra dépasser le message en relais. Voilà. Salut les Chris, salut les Chris. Sansan Kouahou, qu'est-ce que Sansan dit? Sansan dit, moi, je suis garagiste, je n'ai pas le bac. Est-ce que c'est possible de jouer à la développerie? Bonne question, mais il faut aller justement vérifier. Je ne sais pas, garagiste, c'est équivalent de mécanicien ou bien? Il faut vérifier ça, ok? Je ne sais pas si garagiste est équivalent au mécanicien, tout court. Mais bon, sinon, il faut aller vérifier, ok? Je vous ai donné les instructions sur comment vous y prendre. Et puis voilà, ok? Alassane Aïdara, salut, vérifier pour moi, mécanique auto. Je crois que tu as une idée sur comment tu peux procéder. Mais bon, je peux faire quand même un tour hein, pour voir mécanicien ou mécanique auto. Attendez, je vais partager encore cet écran-là. Je vais cliquer ici. Je veux voir mécanique auto. Je vais chercher job family. Je prends tout. Mécanique. Mécanique auto, ça peut être où? Architecture et ingénierie, art, design, sport, média, building and whatever, business, computer, construction and extraction, farming, fishing and forestry, legal, management, military, office and administrative, support, personal care, production, protective, sales, transportation and material moving, job family. Alors ça, là, ça doit être sûrement ici. Je crois bien. On va aller voir. Mécanicien. OK. Vous voyez ici, Automotive Engineering Technicians. Ça, c'est les domaines, ça, c'est un peu haut level. Hein. Ça, c'est pas les mécaniciens, genre ceux qui dépannent. Ça, c'est ceux qui travaillent dans l'industrie auto vraiment. Ou bien je sais pas. De toute façon, tu vas lire, hein? Tu vas lire les détails de ce boulot-là, tu vois, comme je l'avais indiqué. Tu peux convertir cette page en français, non? Vous savez comment vous procédez? Tu vois, c'est Translate to French. Et du coup, voilà, ma page est en français maintenant. Ça te facilite à toi la tâche de lire tout ça. Compétences technologiques, activités de travail. Tu vas voir si tu es dans tout ça là. Tu vas déclarer ça comme ton domaine de travail. Mais bon, sinon, quand tu descends ici, tu vois la zone d'emploi, c'est la zone 3. Et du coup, ça, c'est déjà disqualifié. Le score se trouve entre 6 et 7. Donc, ça ne te permet pas de déclarer ce boulot-ci. Vous voyez? Donc, je peux retourner là-bas. Attends, je vais encore traduire ça en français. Je ne sais pas si je peux faire ça ici aussi. Translate. Ok, moi comme j'utilise ça là en français comme en anglais, parfois ça me fait beaucoup de caprices, mais chez vous là-bas, vu que vous l'utilisez plutôt en comment on appelle? En français, c'est beaucoup plus facile à traduire automatiquement. Vous voyez? Là maintenant c'est en français. Voilà. On va descendre. Ça c'est quel domaine? Technologue et technicien en génie et opération aérospatiale. On va descendre jusqu'à la zone d'emploi. Zone d'emploi, c'est 3. Et là aussi, 6 à 7. Ça aussi, ça ne te qualifie pas. OK? Mais j'avais vu mécanicien auto quelque part, un peu plus tôt quand j'étais en train de vérifier les trucs ici.
Electrical drafter, engineer, fuel, mechanical drafter. OK, oui, mechanical engineer, mechanical drafter. On va voir ce que ça veut dire. On va traduire en français dessinateur mécanique. Donc ça, c'est les mécaniciens industriels. Et la zone ici, c'est aussi la zone 3, 6 à 7. On va quitter. Ça ne nous permet pas de prendre par la DV. On va voir mechanic. Mechanical engineer, technologist and technicians. On va cliquer là-bas. On va traduire ça en français. Voilà. Technologue et technicien en génie mécanique. Quand tu vas descendre, ça là, je crois que ça passe. Ça là, ça doit être 4, zone de travail 4. Zone de travail 3 aussi. C'est aussi 3. Ça ne te permet pas. 6 à 7, c'est inférieur. Mechanical engineers. Je vais prendre ça, je vais traduire en français. Ingénieur mécanique. Je vais descendre vers notre zone d'emploi. Voilà, ça là, ça passe. C'est à la, dans la, ça se trouve dans la zone 4 et les minimums, c'est les scores de 7 et les maximums, c'est les scores de 8. Donc, avec ça, comme étant ingénieur mécanique, tu peux le faire. Mais alors, ici, il faut que tu arrives. Ne soyez pas impressionné par le titre. Hein. Donc, comme je le disais tantôt, lisez par contre les différentes tâches liées à ces domaines de travail. Et vous allez lire également les compétences technologiques, parce que déjà, ça, ce n'est pas tout le monde qui utilise ça. Chez nous, au pays, ces réparations-là ne sont pas faites de manière assistée par ordinateur. Alors qu'ici, quand tu pars voir un mécanicien, avant même d'ouvrir plutôt ta voiture, il va mettre un scanner et il va lancer le scan. Ça va détecter les différents problèmes que ta voiture a et ils vont comme ça travailler sur base de ce que l'ordinateur leur a dit. Vous voyez, c'est différent. Chez nous, là-bas, tu viens, tu leur poses le problème et il va commencer à faire de, je sais pas moi, des le bricolage, ou bien il va faire des essais jusqu'à dénicher les vrais problèmes, etc. Mais ici, c'est déjà l'ordinateur qui va vous indiquer que le problème se trouve à tel niveau, à tel niveau, à tel niveau. C'est comme ça que vous allez voir où on parle des compétences informatiques. On va mettre des logiciels. Chez nous, on n'utilise pas ça. Mais du reste, quand tu vas descendre sur la description pratique du travail qui sera fait, et là, tu vas comprendre que ce sont des choses que tu fais et tu peux comme ça intituler ton domaine si tu le veux comme tel. Comme tel, et puis tu prends part à la déveloterie, sans problème. OK? Vous voyez ici, activité de travail détaillée, réviser les documents techniques pour planifier les travaux, concevoir les systèmes de traitement industriel, concevoir les équipements industriels, évaluer les caractéristiques des équipements, blablabla. Ça, je crois, ce sont des mécaniciens qui travaillent dans des industries. OK? Il y a des machines de production, par exemple, à la brasserie. Voilà, il y a des techniciens là-bas. Ils sont aussi mécaniciens, en fait. Oui, etc. Donc, vous pouvez faire ça, vous pouvez faire cette gymnastique-là. Le plus important, vous avez vu comment ça marche. Donc, voilà, tu peux aussi essayer de toi-même et voir si ton domaine de travail peut te qualifier à prendre part à la déveloterie à défaut d'avoir un bac. Ok, notre ami Restaurant Trinité me demande de vérifier si. Lui, comme étant hôtelier, hôtelier, oui, mais cuisinier, je ne pense pas. J'avais vérifié quelque chose comme ça un peu plus tôt avant que vous n'arriviez. Attends, je vais aller encore vérifier. Je vais partager l'écran une fois de plus. Je crois que je vais couper cette partie-là où j'étais en train d'illustrer comment vous allez procéder pour justement vérifier si votre domaine de travail vous permet de prendre part à la déveloterie à défaut d'avoir un bac. Je vais couper ça pour faire pour publier une vidéo à part entière. Comme ça, ceux qui sont peut-être impressionnés par le nombre de minutes que nous allons partager ici, nous allons passer ici en direct et ils pourront justement tomber sur
cette vidéo-là, l'appétit, bien sûr. OK. Notre ami parle de la cuisine et hôtellerie. OK. Ça doit être dans art, design, entertainment, sport and media. Mais les coachs sportifs, oui, j'ai vérifié. Les coachs sportifs, c'est bon. Ils peuvent prendre part à la développerie. Les entraîneurs, tout ça. Community and social services. Computer, construction, educational, instruction and labor. Oh, OK. Health. Office, personal care, production, productive, sales, transportation and moving. Mais cuisinier, ouais, ici, cook private household, cook's restaurant. Ok, laisse-moi voir les cooks de restaurant ici. Technology, work activity, work context, zone job, tout. Ouais. Si tu travailles comme cuisinier dans un restaurant, la zone c'est 2. Et puis le score se trouve dans cette fourchette-là, 4 à 6, ce qui ne te qualifie pas. OK, donc voilà, là je viens de faire quelque chose d'autre. Hein. Au lieu d'aller ici, tout ça, je suis directement venu ici, hein, sur la barre de recherche ici, pour rechercher par rapport à ce que vous vous cherchez vous-même. OK? On va voir un peu photographe, par exemple. Photographe. Voilà, ça c'est pour les photographes, nos amis les photographes. On va descendre, je peux même traduire ça en français. Voilà, travailler avec des ordinateurs, penser de manière créative, se produire ou travailler directement avec le public, blablabla. Installer des caméras fixes ou vidéo, toutes ces choses. On va descendre, contexte de travail, courrier électronique, téléphone, contact avec les autres, etc. Zone d'emploi, 3. Voilà. Préparation moyenne requise. Éducation. La plupart des professionnels. Da, 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 da. Et alors ici, vous voyez, ça se trouve, son intervalle, c'est de 6 à 7. Vous voyez? Donc du coup, ça risque de te poser problème. Mais bon, il faut tenter. Hein, pour ceux dont l'intervalle varie entre 6 et 7, je peux quand même vous conseiller de tenter votre chance. Parce qu'il y a quand même un 7. We never know. On ne sait jamais. Peut-être, comme je l'avais dit, ce n'est pas des robots. Peut-être que ça peut faire l'affaire. Tentez. Okay? Je sais quand je vous demande de tenter, il y a d'autres qui se disent, ah, oh, mais Mr. Fad, là, ça va encore amoindrir nos chances d'être sélectionnés parce qu'il y aura des personnes superflues, etc. Donc, chance à tout le monde. Okay? À chacun son étoile, on ne sait jamais, n'est-ce pas? Bonsoir, Mr. Fad. Le domaine d'informatique n'existe pas. J'ai même pris le temps de, voilà, illustrer tout ça. C'est bon. Restauration, je parlais de la cuisine seulement. Mais la restaurant, plutôt la restauration elle-même, attendez, la restauration, ça comprend quoi? Peut-être l'hôtellerie, peut-être. Voilà. Ça, c'est tout ce qui a trait au service d'hôtellerie. On peut voir quoi ici? Sales manager. Si. Tu travailles comme un agent commercial dans un hôtel. On va voir. Ça, c'est la zone 4. Et c'est entre 7 à 8. Si tu travailles comme responsable commercial d'un hôtel, oui, ça passe. Maid and housekeeping. Ça, ce sont des gars qui travaillent au nettoyage, etc. Ça va être la zone, la première zone, hein, le niveau 1, sûrement. Allons voir. Vous voyez, zone d'emploi 1, comme je le disais tantôt. Et ça doit être inférieur à 4. Ouais, c'est ça, en dessous des 4. On rentre là-bas. Lodging manager. Bon, ça, c'est déjà un poste de management, automatiquement. Ça va passer. Un concierge. Voyons voir un peu le concierge. Qu'est-ce que ça nous dit là-bas? La zone, c'est la zone 3. Et ça passe de 6 à 7. Donc voilà, c'est un peu ça. Quoi d'autre? Cashiers, j'avais déjà illustré ça. Mais ça, c'était pas pour l'hôtel, hein. Ça, c'était pour le fast-food. Un peu comme McDonald's, un peu pour, comme KFC. Bon, ça aussi, même à l'hôtel, c'est pareil. Dans zone 2,
Ça varie entre 4 et 6. Donc, si tu es caissier dans un hôtel, alors si tu travailles dans un bar, comme serveur, etc. Et ici, c'est la zone, voilà, une. Et puis, c'est inférieur à 4, donc ça ne te qualifie pas, etc. Mais si tu es enseignant, ok, on va prendre enseignant. Teacher. Ok. Si tu es enseignant au niveau middle school, le middle school, c'est l'école primaire. Si tu es enseignant, l'école primaire, c'est la zone 4. Les enseignants, bravo les enseignants. Vous les enseignants, vous voyez, la zone 4, automatiquement, nous sommes là. 7 à 8. Si vous êtes enseignant au niveau primaire, donc ça passe. On va prendre quoi d'autre ici? Special education teacher, preschool, whatever. Alors ça, c'est pour ceux qui travaillent avec des enfants qui ont des petits problèmes, comme des autistes, des enfants qui ont du retard de langage. Vous les aidez justement. C'est un peu comme ceux qui font de la thérapie, au fait. Vous aidez les enfants à bien articuler leur langage, etc. Ou si vous travaillez les preschool ici, c'est ceux qui travaillent à l'école maternelle. Donc, si vous travaillez à la maternelle, comme enseignant à la maternelle, on va voir. Et puis voilà, enseignant en éducation spécialisée. Donc, vous voyez ici, c'est pour ceux qui travaillent avec les autistes, les enfants qui ont des retards de langage, des enfants qui ont des problèmes psychomoteurs, pratiquement. Et puis voilà, donc je vais descendre un peu plus bas pour voir. Et voilà, ça, c'est la zone 5. Waouh! Si tu es enseignant à la maternelle, bravo. Donc, ton domaine là, c'est 8 et supérieur. Donc, ça te qualifie fort. Allez, les gars, allez tous raconter que vous êtes enseignant en maternelle. Hein. Ne vous cassez pas la tête à chercher à dire que je suis mécanicien. Je suis. Waouh, ça c'est intéressant ça. Ok. Quoi d'autre? J'ai vu, il y a qui d'autre ici? J'ai répondu. Otiniel, j'ai répondu à qui d'autre? Alassane, Aïdara, j'ai répondu à ton problème, mon cher ami. Qu'est-ce que lui dit Alassane? Alassane dit Salut, boss, j'ai envoyé, j'ai répondu à ça. Un case number de 11, 112, AF. Jusqu'à présent, j'ai pas reçu une notification pour. Entretien à Dakar le 4 octobre 2023 avec un case number. Je peux envoyer. Mais pourquoi tu as attendu? Pourquoi tu as attendu à envoyer ça tout de suite, frère? Surtout que tu n'as qu'un DS de 112. Un case number de 112 en plus. Pourquoi tu as attendu jusqu'au mois d'octobre? Parce que c'est au mois d'octobre ici que les interviews commencent. Théoriquement, avec ton case number là, 112, tu allais avoir ton interview. Ici en octobre, maintenant que tu soumets ça tout de suite là, ben je ne sais pas, ça va prendre du temps. Parce que il faut retenir une chose. Autrefois, on ne considérait que le case number. Mais maintenant, on considère non seulement le case number, mais aussi quand est-ce que tu as fait ta demande. Alors, tu as attendu 5 mois depuis, parce que tu as pris connaissance du résultat depuis le mois de mai. Je ne sais pas quelles sont les raisons qui ont fait que tu puisses voilà, attendre aussi longtemps. Mais s'il devait peut-être chercher. Peut-être trouver ceux qui sont, disons, un case number 113 ou 114, ils ne vont pas quand même faire stopper les choses jusqu'à ce que toi tu viennes avant de passer à l'étape suivante. Donc, vu que tu n'étais pas arrivé dans cet intervalle de temps, ils sont passés à d'autres personnes. Voyez? Donc, c'est pourquoi moi, personnellement, j'ai toujours recommandé aux gens de faire ça un peu plus vite que ça, en fait. Tu n'avais pas à attendre aussi longtemps, mais ce n'est pas grave. Okay? C'est vrai que tu fais ta demande, tu as fait ta demande la semaine passée. Mais on a encore une année en face, quoi. Tu vas être contacté peut-être aussi bien avant même la fin de l'année. Tu pourras passer ton interview parce que ton case number, il est clément. Il est vraiment intéressant. Bonne chance à toi, frère. Ici, chez qui c'est Ronnie, Jack Kansumbu, qui dit, est-ce que la personne qui avait déjà joué couple et je suis séparé avec ma femme, possible de jouer singleton? Quand tu parles de séparer, ça doit être une séparation. Pas une séparation, un divorce. Ça doit être un divorce prononcé. OK? Si
Vous n'êtes pas passé au niveau du tribunal ou à la cour pour que votre divorce puisse être déclaré. Là, tu vas jouer comme étant marié. Et puis voilà. Mais seulement si tu es sélectionné, c'est à toi maintenant de voir si tu veux poursuivre le dossier avec ta femme ou le faire seul. Et là, tu vas maintenant te justifier aux yeux de l'officier consulaire. Donc, du moment où le divorce n'a pas été légalement prononcé, alors du coup, vous êtes toujours marié. Peu importe le fait que vous soyez en séparation de corps, etc. J'ai parlé de ça aussi au cours de notre live précédent. Si tu veux avoir beaucoup plus de détails à ces sujets, je vais te recommander après ce live-là de faire un tour sur notre tout récent direct. Tu vas apprendre beaucoup sur cette question-là. Voilà. J'ai répondu à la scène non, DS260 DV2024, j'ai perdu l'accès à mon ancien email. Ok. Bon, pour ça, ça c'est facile, non? Pour ça, c'est pas grave. Ça, c'est la DV Loterie. Si c'était le regroupement familial, là, ça aurait été différent. Mais pour la DV Loterie, c'est vrai qu'on va te notifier par email, etc. Mais tu peux contacter KCC pour qu'on puisse t'aider à ouvrir le formulaire en question et tu vas faire la mise à jour de ton adresse email. Yeah, je pensais que c'était les regroupements familiales. Pour la DV Loterie, c'est encore très facile même. Yeah, tu vas juste contacter KCC, ils vont ouvrir le DS260 et tu vas mettre à jour ton adresse email. Surtout que tu l'as fait il y a 2 semaines ici, donc tu me parles là du 4 octobre. Donc voilà. Merci beaucoup, boss. Ça vient des Sansan Kwao. Merci, je t'en prie, frère. Et là, c'est qui? C'est Chris. Qu'est-ce que Chris dit? Ça mérite un maximum de likes, la famille, car beaucoup ne maîtrisent pas ça. Voilà, beaucoup ne maîtrisent pas ça, frère. C'était un problème de passeport, mais tu ne... Ah, ok, c'était un problème de passeport. Il fallait avoir un numéro de passeport pour faire ça. Bon, écoute, frère, ne te dérange pas. Ton case number, il est super bien. Donc, tu vas passer ton interview. Peut-être même avant la fin de l'année, tu vas m'appeler ici pour me dire, hey, Mr. Fad, je suis déjà aux États-Unis. Et je te dirai, frère, on peut prendre rendez-vous un week-end. On va aller prendre un petit café. Et puis voilà. Donc voilà, chers amis, je crois qu'on a fini. Voilà, on a fini avec notre direct d'aujourd'hui. J'ai recevé beaucoup de questions sur cette question. Alors je me suis dit, bah écoute, pourquoi ne carrément pas faire une vidéo pour vous le montrer? Mais comme je n'ai pas le temps de faire la vidéo, je me dis, bah, je peux partager l'écran, je le fais sur le champ. S'ils ont des questions, je peux les aider même. Je peux aider même certains à vérifier pour eux, etc. Mais ne vous inquiétez pas, je vais couper cette partie-là pour faire une petite vidéo. Ça peut prendre même 15 ou 20 minutes d'illustration. Ça pourra venir peut-être mercredi ou mardi. Et puis voilà. Sinon, grand merci à vous tous, chers amis. Grand merci à vous tous qui avez été là ce soir. Comme toujours, une fois que vous êtes là. Oh, on a déjà fini, non? Comme toujours, avant de nous séparer, je vais comme ça vous inviter à vous rassurez que vous vous êtes déjà abonné chez nous si ce n'est pas encore fait. OK. Rassurez-vous que vous êtes déjà abonné. Partagez le lien de direct de nos vidéos avec le membre de famille, vos amis qui ont des dossiers en cours de traitement ou même qui aspirent justement à venir aux États-Unis, qui ne savent pas quand est-ce que ça pourra marcher pour eux. Ils peuvent tout de même entrer en contact avec nous. Ils peuvent tout de même s'abonner à nos différentes plateformes. Nous avons WhatsApp, TikTok, Facebook, Instagram. YouTube, un peu comme ce que vous voyez là, tout ce qui est en train de défiler vers le bas là, vous pouvez aller nous chercher sur les différentes plateformes et abonnez-vous là-bas. Si vous avez vos préoccupations, posez-les-nous en inbox. On pourra en parler, ça pourra faire notre sujet de discussion de notre prochain live. Donc, c'est comme ça que ça marche ici. OK? En dehors de ça, pour vous qui êtes sur le point de lancer les démarches pour le visa d'études aux États-Unis, pour la visite, pour le regroupement familial et ceux qui sont même ici aux États-Unis qui veulent renouveler leur green card, qui veulent ajuster leur statut aux États-Unis, etc. Donc, vous pouvez nous contacter tout de même. On pourra parler, on pourra vous aider dans vos démarches. Et puis, voilà, en fait, nous nous assurons justement que vous gardez votre inquiétude et nous prenons votre stress. Vous allez nous transférer votre stress et vous gardez la sérénité la plus totale. Et nous allons nous assurer que tout est très bien fait, tout en nous assurant que la communication, elle reste au point. Donc, vous serez au courant de l'évolution de tout ça là. Et en cas de blocage, nous allons vous contacter ensuite. Vous allez décompter la situation et on va passer à l'étape suivante. C'est comme ça que ça marche ici. Si vous avez des dossiers comme ça, vous avez des aspirations, n'hésitez pas à nous contacter. On va se faire un grand plaisir de vous accompagner dans cette
passionnante aventure. Donc, grand merci à vous tous qui avez été là ce soir. On va se retrouver très bientôt, chers amis. Au revoir. Bye bye.